Ah, c'est comme l'hostie, ça. On y amène après. Salut, moi c'est Emma, je suis étudiante graphiste pour les AOC Médoc et au Médoc. Chaque mois, on va découvrir un nouveau visage et un nouvel aspect du métier de vigneron. Et faites-moi confiance, on va pouvoir profiter de la nature et surtout des beautés du Médoc. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la taille de la vigne avec Franck Courreau du château Rousse au Tipian que je connais des foires au vin de Carcan. Bonjour Franck, comment tu vas? Bonjour Emma, ça va très bien. Bon, il paraît que tu veux apprendre à tailler? Oui. Donc la taille de vigne, il y a trois aspects, c'est la formation, la régulation du rendement et également la qualité des raisins. Donc voilà, on est devant un pied de vigne, donc c'est sur le premier bois fructifère du côté gauche que l'on met la latte. D'accord. La latte, c'est celle que tu vas garder. La latte, c'est la baguette, cette grande baguette, où il y a des yeux. Ces yeux vont nous donner la charge, donc le nombre de grappes que l'on va avoir par pied. D'accord. Il faut que la longueur qui est de la coupe soit égale au diamètre du bois. D'accord. Donc on coupe ici. Et du coup, il faut que je coupe voilà. Cette distance. Oui. Donc là à peu près. Nickel. Hop. Ah, c'est bon. Et j'ai bien coupé en dessous. C'est bien, c'est propre. Parfait. Bien travaillé. Du coup, comment tu as appris à tailler? J'ai appris à tailler il y a très très longtemps. J'ai fait des concours de taille où j'ai rencontré ma femme, ça va faire 25 ans. Et j'ai participé au championnat du monde où j'ai fini 4e. Ah oui? Mais t'es, je vais te donner une plante que l'on trouve dans nos vignes. C'est quoi? De la doucette. Ça veut dire que nos terres sont fertiles et ne sont pas polluées. Alors, goûte. Il y a de la terre. Mais non. Ça se mange, regarde, j'en mange. Ça se mange vraiment? Oui, ça sale. Ah, c'est comme l'hostie, ça, on y amène après. C'est super bon. T'as le goût de salade, quoi. Sans vinaigrette. Tout à fait. Bon, et bien maintenant, après l'effort, on va faire une petite dégustation au chabaret. D'accord. Donc, mais regarde cette couleur. C'est le fruit de notre travail. Ben en tout cas, merci beaucoup de m'avoir appris. C'était super intéressant. Mais et du coup, rien, je m'embauche. De rien. Oui, tout à fait. Alors, on signe demain. Allez, on trinque.